Nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste, l'autre. Qui ? Toi. Ah ouais. Voilà. Tu sais que tu es dans la lumière, on ne te voit pas. Au hasard dans la salle. Vous. Au hasard, vous. L'autre nous a accompagnés difficilement, très difficilement, avec beaucoup de difficultés, sur les sentiers des Alpes cet été. Cet homme est un menteur. Oui. Pour venir, pour faire une tournée musicale dans les refuges. Et malgré ses faiblesses physiques, l'été prochain, vous le retrouverez sur les pistes cyclables. Parce qu'il a décidé de faire une tournée en vélo. Voilà. Je vous demande d'écouter, monsieur, l'autre, c'est à vous. Alors, je crois que c'était à moi que tu parlais, touche pas. Ah, moi, je vais vous raconter une histoire qui se passe en départ d'Afrique noire. Et puis, on passe par la Libye pour essayer d'aller trouver un endroit un peu mieux. Donc, on s'embarque dans une toute petite barque. On est plein. Ça arrive plein de fois, souvent. Ils sont plein. Dans une toute petite barque. Ils se mettent nombreux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trop le choix, là. Ils se mettent nombreux. Et puis, ils y vont dans la petite barque. Des fois, il y en a qui tombent. Bon, nous, on le voit pas, on sait pas. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis, des fois, ils arrivent quand même, ils essayent, ils avancent, et vraiment, boum, ils tombent sur un bateau. Et là, c'est un pétrolier qui s'appelle El Oublou. Et le capitaine du pétrolier, il les a pas laissés couler, enfin, sauf ceux qui ont dû tomber. Et il les a pris avec lui. Il voulait les ramener en Libye. Sauf qu'en Libye, ce qu'ils risquaient, c'était torture, viol, exploitation, etc. Donc ils ont dit, non, on veut pas aller en Libye, s'il vous plaît, amenez-nous ailleurs. Ils ont réussi à négocier pour qu'ils les amènent ailleurs, ils les amenaient à Malte. Et à Malte, on se retrouve avec trois gamins, qui ont entre 15 et 19 ans, qui risquent la prison à vie à Malte, ou la torture et le viol en Libye. Voilà. S'ils appellent ça le cas, les trois jeunes du El Oublou 1. Et vous signez. Enfin, faites comme vous voulez, mais ça vaut le coup de signer. Je vais vous faire une chanson qui s'appelle La mer. Quand il aura fini de boire. Je suis désolé, ça va là. Ça m'oncelle comme les restes isolés d'un raout vulgaire. On pose les murs d'une prison dorée en regardant brûler des baraques insécures. On s'offusque, on s'étonne, on repousse dès demain comme meilleur destin qu'il retourne d'où il vient. Quel père, quelle mère, à partir de quel âge n'aurait-on le courage de rêver et partir. Mon enfant, quand un jour tu trouveras tous ces corps, que pourrais-je te dire, sinon qu'à part la jouir, j'étais comme tant d'autres absents à mon époque. Absent à mon époque, j'étais automatique, promotion mécanique,
sur mon écran tactile. J'admirais chaque jour ma TV gigantesque et ses 1000 chaînes. Parfois, entre deux pubs, elle me parlait du truc, puis hop, susurre. Parfois, entre deux pubs, elle me parlait du truc, puis hop, susurre. Parfois je la remoyais, le temps d'un petit café, puis hop, je m'en foutais. Parfois je la remoyais, le temps d'un petit café, puis hop, je m'en foutais. Au fond de la mer, les corps s'amoncellent comme les restes scellés d'un raout vulgaire. Amen. En fait, t'es bon. Hein. Le dernier, le prochain, pas le dernier pour moi, c'est un journaliste algérien qui va couvrir une manifestation de jeunes qu'on en marre du cinquième, qui veulent pas du cinquième mandat de Bouteflika, qui veulent une deuxième république et qui finit par se faire arrêter parce qu'il a... Ça me dit quelque chose, ça, tiens. Ah non, je confonds avec Chine. Et qui finit par se faire arrêter. Et voilà. Il s'appelle Khaled Drareni. Khaled Drareni, il est en prison en Algérie. Il faut signer. Et je vais vous parler d'une dame du 19e siècle qui s'appelait Amantine Dupin et qui était journaliste un peu aussi. Elle a fait de la critique littéraire, notamment. Elle a été journaliste, mais elle a été aussi écrivain. Et pour pouvoir exister en littérature, elle a dû trouver un pseudonyme. Parce que ce n'était pas sérieux, une femme qui écrit. Elle a trouvé comme pseudonyme George Sand. Ils peuvent toujours dire non, que je ne suis qu'un con. Conserve bien au chaud la main sur un cuisseau tiré sur un cigare, le bien bel avatar. Je m'appelle Georges, Georges si je veux. Je m'appelle Georges, Georges si je veux, ouais. Ils peuvent toujours grogner, montrer leurs dents serrées, taper sur leur thorax en se faisant furax, remonter à 1000 ans ou bien la nuit des temps. Je m'appelle Georges, Georges si je veux. Je m'appelle Georges, Georges si je veux, ouais. Ils pourront me brûler, m'ignorer, m'exiler, déchirer chaque page dans un remue-ménage, vomir sur mes espoirs comme eux dans un pissoir. Je m'appelle Georges, Georges si je veux. Je m'appelle Georges, Georges si je veux, ouais. Na 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 na. Eh ouais. Et s'il advient
un jour, après tant de détours, qu'Amandine ait enfin le choix de son destin. Autant que de me lire, n'oubliez pas de dire, je m'appelle Georges. Georges, si je veux, je m'appelle Georges. Georges, si je veux avec moi, je m'appelle Georges. Georges, si je veux, je m'appelle. Attends. Non, mais parce que. Non, ça va pas. Parce que moi, je vois bien, je sais, parce que ma Vishnu, Jean-Louis, il est super fort. Jean-Michel Vigou, il est très, très fort. Il est très, très fort parce que non seulement il fait du bon son, mais en plus, lui, il a un truc, il sait derrière vos écrans, là, si vous chantez ou pas. Il sait si vous signez ou pas. On peut pas vous obliger à signer. Ce serait bien, mais on peut pas. Mais il sait si vous signez ou pas. Il le sait, Jean-Mi Vigou. Et il sait aussi si vous chantez en même temps que moi ou pas. Et là, on s'est mis d'accord. Il peut vous arriver des choses graves à votre famille, à vous, à tous les gens qui vous entourent. Alors, il faut chanter avec moi. Moi, je suis venu pour deux chansons. Merci. Faut chanter avec moi. Vas-y, alors, reprends, on prend là où on en était et vous chantez avec moi. Merde. Alors, on était où? Après, attends. Et s'il a dit un jour, après tant de détours, qu'Amantine est enfin le choix de son destin, autant que de me lire, n'oubliez pas de dire, je m'appelle Georges. Qu'est-ce que tu fous, Jean-Mi? T'as mis un vocodeur ou quoi? Je m'appelle Georges. Jean-Mi. Non, mais pas de vocodeur, on avait dit. Non, tu fais n'importe quoi, là. Je m'appelle Georges. Oh. Non, mais pas de vocodeur, on y va sérieux, là. Voilà, je m'appelle Georges, merci. Chante mieux que toi. Georges, si je veux, je m'appelle Georges. Georges, si je veux. Allez les élus. Georges, si je veux, je m'appelle Georges. Georges, si je veux, je m'appelle Georges. Georges, si je veux, je m'appelle Georges. 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 Si. Je veux. Yeah, man! Merci, cher Ryan. Tu restes avec nous. Tu fais bien, très bien la plante verte, là. Tu l'as dit. C'est toi qui l'as dit dans tes posts sur Facebook. Tu t'avais invité pour faire plante verte. D'accord. Alors, non, merci, sérieusement. Tu es toujours aussi efficace, franchement.